Bon, moi je m'appelle Jan Schneidewind, j'ai 52 ans. Je suis né en Allemagne. Mes parents ils sont restaurateurs hôteliers et je suis le fils l'aîné. Et mon père m'avait dit, il faut que je reprenne un jour l'affaire. Un jour, il m'avait dit, écoute, fiston, tu dois faire un apprentissage en tant que cuisinier chez un copain à moi, dans le même village, c'est comme ridicule comme tout. Et j'ai écouté mon père et j'ai réussi mon CAP cuisine à l'époque, là, avec à peine, quoi. Et de là, je lui dis, papa, je veux aller à l'armée, je veux être commandant de char, parce que ça m'intéresse plus que d'être cuisinier. Hein. Il a dit, non, écoute, je te donne encore une chance, on va aller encore à un autre confrère de faire un stage là-bas. Et ça, c'était, oui, tout près de la frontière française. Et là, j'ai pris un peu le goût de tout ça, parce que c'était quand même une structure qui était pas mal. C'était un restaurant qui avait à l'époque 2 étoiles. Revenu de mon stage, il me dit, écoute, tu vas aller à Bruxelles. Là, tu vas travailler maintenant dans un restaurant. Je lui dis, non, 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 c'est fini, je veux plus. Si, 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 si. Bon, on va manger ce samedi midi dans ce restaurant 3 étoiles à l'époque, le meilleur restaurant de la Belgique, qui s'appelle Pierre Romer, la Maison de Bouche. Alors, le chef, Monsieur Romer, il est sorti de la cuisine, il m'a tiré un peu à l'arrêt comme ça. Il me dit, écoute, tu veux travailler chez moi? J'ai dit, oui. Alors, samedi prochain à 9 h, tu es en cuisine. Bon, ok, ça va très bien. Et de là, ça a commencé une longue histoire. J'ai commencé à travailler là-bas, comme commis pâtissier. Et j'étais fort, fort impressionné par ces grandes structures. Et en total, j'étais 6 ans donc à Bruxelles. Et voilà, depuis le 25 mars 1991, donc 91, je suis venu sur Luxembourg. Voilà. De là, j'étais donc de 95 jusqu'à 2005, pendant 10 ans, j'ai exploité les restaurants là. De là, il y a un ami à moi qui est venu, il me dit, écoute, Yann, j'ai un truc pour toi, ce qui peut être pas mal. Il y a un local au Bourmicht, ici, qui était un dépôt à l'époque. Il est en béton brut, si tu veux, je peux te mettre en contact avec le propriétaire. Alors, c'est comme ça que je suis venu ici au Bourmicht et voilà, j'ai transformé le hall ici dans un restaurant. Si vous me dites maintenant quelle matière je préfère travailler, il y a tout qui me fait plaisir, tout, tout. J'adore le chocolat, oui, comme vous le dites tout à l'heure. Hein, parfois j'ai envie de manger la Valrhona qui est un peu plus sweet. Parfois je préférerais d'apprendre la Belge, le Calbo. Ça dépend un peu le jour, comme je suis ruiné. Voilà, ça c'est un peu le truc. Moi je suis aussi un peu food scout. Hein, je regarde partout, internet, catalogue et tout ça, qu'est-ce qui est nouveau sur le marché. Je me laisse conseiller aussi par mes fournisseurs et surtout j'écoute aussi mes fournisseurs. Les messages que je veux passer avec ça, c'est qu'on fait ici au Windsor un peu la cuisine unplugged, j'appelle ça. Donc on a une carte de menu, mais un peu floue comme ça. Il n'y a pas tous les détails dessus. Ça nous permet aussi de réagir vite. On regarde le matin qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire avec, et on propose ça à ce moment-là au client. Donc c'est un peu comme une groupe de musique qui joue unplugged, et nous, on n'a pas le grand orchestre derrière. On fait ça entre nous qui sont là avec notre savoir-faire, notre métier artisan, et on fait des choses merveilleuses avec ça. Alors je souhaite de bonnes chances à tous et aux vainqueurs de ce concours-là. Je passerai bien une soirée avec eux ici dans mon restaurant Windsor, l'atelier de Windsor à Bertrange, pour s'échanger un peu sur le plan culinaire.